Cette piste, grande comme la moitié de Paris, est la plus longue d'Europe. Elle constitue la colonne vertébrale de la base aérienne militaire d'Istres, nom de code BA-125. Une base historique de l'armée de l'air et de l'espace qui prend pied dans le sud de la France, à l'ouest de Marseille, et bordée par la Méditerranée. Depuis plus d'un siècle, Istres a traversé le temps et les conflits pour devenir un centre majeur de la défense française. École de pilotes, base de bombardement, centre d'essai aéronautique, elle s'imposera comme un pilier de la dissuasion nucléaire française. Cette base hors norme voit ses missions évoluer en permanence et ses infrastructures se moderniser sans cesse. Elle demeure, au fil des décennies, la plus grande base aérienne du pays. 2500 hectares, 40 km de clôture, au sein desquels s'organisent 70 unités réparties dans plus de 500 bâtiments. En tout, ce sont plus de 5000 personnes qui assurent le bon déroulement des missions de la base. Les autorités doivent administrer une véritable ville militaire où chaque escadron est considérable, un challenge quotidien. On a typiquement un escadron de protection de 350 personnes. C'est le plus grand escadron de protection de France. Une unité des pompiers d'environ 110 personnes, c'est une grosse unité. On a l'escale aérienne, environ 110 personnes, c'est la plus grosse escale aérienne de France. Les unités sont adaptées au format de la base et sont adaptées aux missions de la base. Et comme le spectre de missions est excessivement large, bien forcément, là on a des unités au format exceptionnel. Avec ses effectifs hors du commun, Istres occupe une place cruciale dans l'armée française. L'incroyable longueur de la piste, 5 km de goudron robuste lissé à la perfection, attire les essais des industries de pointe. Une piste unique en Europe qui peut être submergée pour pousser les aéronefs dans leur retranchement. Fort de cette infrastructure exceptionnelle, la base accueille aussi en permanence les troupes et les véhicules de tous les corps d'armée pour le déploiement des opérations extérieures. Un véritable hub militaire. Mais ce qui préoccupe par-dessus tout le commandement, c'est bien la fonction la plus stratégique de la base. Ici, tous les efforts convergent vers un objectif. Assurer, sans aucun accroc, la force de dissuasion nucléaire aéroportée française. Donc aujourd'hui, pour garantir que nos intérêts vitaux ne sont pas attaqués, nous avons deux composantes. Une composante océanique, qui s'appuie sur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et une composante aéroportée qui s'appuie sur un couple Rafale qui porte un missile nucléaire qui va suivre un ravitailleur. Et c'est le couple Rafale plus ravitailleur qui va former un RAID qui va pouvoir progresser et atteindre une allonge intercontinentale. L'allonge et cette capacité à augmenter la portée d'action des avions de combat grâce au ravitaillement en vol. Istres en a fait sa spécialité. La base protège, à l'abri des regards, des missiles nucléaires air-sol moyenne portée et surtout héberge l'intégralité des avions ravitailleurs impliqués dans la dissuasion. Ils sont mis en œuvre par des aviateurs et des techniciens hors pair. Des escadrons en entraînement quotidien et mobilisables à tout moment pour une mission qu'ils sont les seuls à maîtriser à la perfection. Nous pénétrons au sein de la zone des forces aériennes stratégiques, les FAS. C'est ici qu'évolue l'escadron de ravitaillement en vol 431 Sologne. Bien, bonjour à tous. Le lieutenant-colonel Laurent, commandant de l'escadron et pilote chevronné, a réuni son équipage pour exécuter une des missions les plus importantes de la base, ravitailler une dizaine de chasseurs en plein vol. Alors, ce qu'on va passer en revue, tout d'abord, c'est l'avion qui nous est attribué, la météo, qui est très importante pour un vol, les performances de l'avion qui sont au décollage liées à la météo et à la configuration de la piste, et ensuite, le déroulé de la mission à proprement parler, c'est-à-dire les avions que nous allons ravitailler, les terrains sur lesquels nous allons nous entraîner par la suite, le type d'exercice que nous allons faire et les trajectoires associées. Cet exercice quasi quotidien n'a rien d'une promenade de santé. Au bord de leur ravitailleur, les membres de l'équipage vont devoir se synchroniser avec des avions de chasse à plus de 500 km/h, puis connecter une perche dans un panier de 70 cm de diamètre. L'objectif,
délivrer des tonnes de carburant en quelques minutes. Le moindre accrochage peut être fatal. L'escadron évolue sur une douzaine de Boeing C-135, un aéronef aussi imposant que mythique. Construit sur la base d'un 707, puis militarisé, cet avion robuste et fiable a suivi l'évolution des techniques depuis près de 60 ans. Près de 40 mètres d'envergure et 45 de long, il peut délivrer jusqu'à 80 tonnes de carburant. Une véritable citerne volante, essentielle pour appuyer les différentes forces aéroportées. Avant de monter, le lieutenant-colonel Laurent procède au tour avion. Une ultime vérification avant l'envol. Et si après les percussions du deuxième extincteur, ça brûle toujours, tu me l'annonces, on évacuera l'avion, on est neuf à descendre. C'est bon pour toi ? Allez, à tout de suite au casque. L'avion est prêt, l'équipage est en place. La mission peut commencer. Depuis la lisière de la piste, la tour de contrôle entre en contact avec l'appareil. Il s'agit plus précisément du centre militaire de contrôle, véritable centre névralgique de la base aérienne 125. Les bâtiments classiques sont en phase de modernisation pour y installer des équipements de pointe. L'unité a donc investi des dispositifs mobiles de campagne, des concentrés de technologie. C'est le Rafale qui vient de décoller. Ouais. Décollage, atterrissage, accès sur la piste. Le moindre mouvement est suivi de près. Alors au départ d'Istres, le départ d'un avion se fait initialement donc géré par la tour de contrôle avec la phase de roulage et de décollage. Et après, ça va dépendre du type de vol. Il y a tout ce qu'on appelle le vol à vue, donc où le pilote assure son repérage par une bonne condition météo en fonction de l'environnement, où là, il est quasiment autonome et il reste en contact initialement avec la tour. Et ensuite, il contacte l'approche, mais simplement pour un service d'information de vol. Istres Tower, Marcotte, Twiner, approaching, holding point, tri, ready for departure. Un membre du poste sol guide l'équipage dans toutes les étapes du roulage et s'assure de sa sécurité jusqu'à la piste. Marcotte, Twiner, Istres Tower, line up, clear for takeoff. Lining up and clear for takeoff, runway tri, Marcotte, Twiner. L'appareil est maintenant prêt à s'élancer. C'est au tour de la vigie de prendre le relais. Pas d'aéronef aux alentours, personne à moins de 90 mètres de la piste. La voie est libre. Et top, décollage, puissance. 99, top. 90, radio positif, tracé entrée. Le ravitailleur s'envole pour sa mission. La vigie suit l'avion dans une zone qui peut s'étendre jusqu'à 20 km. C'est ensuite un opérateur de montée qui va prendre le relais. Grâce à une batterie de radar, de systèmes de détection et de navigation radio ou satellite, sa vision s'étend sur près de 200 km. Mais la mission des équipes du centre militaire de contrôle ne s'arrête pas là. Tous les avions qui sont amenés à évoluer dans notre espace nous intéressent, puisqu'on doit les avoir en compte, en fréquence, et donc on leur doit des services. Donc, c'est-à-dire qu'on doit à ces aéronefs-là leur donner des informations, que ce soit au niveau des conditions météorologiques, mais également des informations de trafic vis-à-vis des autres aéronefs qui sont dans cet espace, afin de pouvoir prévenir les abordages ou les collisions entre aéronefs. Il peut arriver que la situation se complique. Eh bien, on attend sur un bon niveau 100. On vous rappelle à la fin de l'attente, on traite un souci au niveau de l'avion. Ah d'accord, c'est pour un problème technique. Ouais, léger, pas de... Léger, rien de grave. Piste dégagée, vous contactez le sol 2185, France Air Force 49. Si on a un aéronef qui arrive en panne, on va forcément lui accorder la priorité. On va mettre en attente les autres aéronefs qui sont dans le secteur. Ensuite, si on a des mauvaises conditions météo et que l'on a un pilote, par exemple, qui est un petit peu moins expérimenté, on va lui faciliter la tâche en lui accordant également la priorité, à condition que les autres aéronefs aient la possibilité d'attendre. V4565, il se rapproche. Bonjour, identifié radar. Cette surveillance permanente du ciel est loin d'être aisée. En plus du trafic aérien classique très dense, des avions de ligne ou des avions de loisirs, les opérateurs doivent composer avec la nature même de cette base stratégique. Des ravitailleurs massifs en exercice permanent, d'autres prêts à décoller à tout moment, des essais en vol d'appareils variés aux trajectoires extrêmes, et parfois des déploiements d'envergure ou des rapatriements d'urgence. Tout cela doit cohabiter et être parfaitement coordonné.